Je vais prendre un Marlboro Light et un briquet, s'il vous plaît. Quelle couleur, le briquet? Bleu. Je vous paye par carte. Ah, par carte, c'est plus de 20 euros. Ah. Eh ben, mettez-moi encore deux paquets, alors, et puis je vais prendre deux gaules. Oui. Je vous laisse choisir. Bon, bah, ceux-là. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, avec le mois sans tabac, j'ai réquisitionné tous les paquets de Jean-Luc, et je me fais un pognon monstre, et je les revends au bureau, pas con, hein. Pas de mal à se mettre du beurre dans les épinards. Ah, ben, non, mais... Bonjour. Bonjour, un Zippo. Un Zippo. Ah, les frérots de la Vega. Ils se séparent? Oui, j'ai entendu ça. C'est triste, hein, déjà. Moi, j'aimais bien. Bon, ceci dit, tant mieux, parce que là, ils allaient un peu loin dans le délire, quand même. Ah, ben, disons, oui. Je veux dire, après ça, la pomme, tu te la fous dans le cul, quoi. Artistiquement, t'as pas de... Oui. De lui. Oh, ben, dis donc. Dans un sens, heureusement que tu ne peux pas faire plus de deux mandats aux États-Unis. Regarde-moi la tronche d'Obama, il est rincé. Il ne peut plus rien donner, cet homme-là. Ceci dit, hein, ces grands États fédéraux, c'est des tels bateaux à mener. Quand tu vois déjà chef de région, comme c'est chiant. Et toi, déjà chef de rayon? Ah ben non, ça n'a rien à voir. Ah ben si, Catherine. Ah ben non, moi, j'ai fait de la mise en rayon quand tu as ton Babybel à côté de ton Kiri. Oui. Où est-ce que tu le mets, ton boursin? Eh ben, tu ne sais pas. Mais tu peux dire. Tu le voyais, moi. Je le voyais, chef de rayon, il me regardait. Il était paniqué, c'est assez. Très longue journée pour moi. Oui. Puis venez me voir. Ah, Lydia, moi, je peux plus. Je peux plus. Tu peux plus. J'ai trop d'années. Mais bien sûr. J'imagine. Hier soir, j'ai vu l'émission de Karine Le Marchand, Ambition Intime. Oui, moi, j'arrive pas à la regarder comme une émission politique, je suis désolée. J'ai vraiment l'impression que Valérie D'Amido va débarquer à un moment donné pour relooker la baraque de Juppé, ou qu'ils vont voter pour un gâteau plutôt qu'un cake. Enfin bon, c'est quand même curieux cette rentrée sur M6. Je veux dire, Karine Le Marchand à la politique, bon, Ophélie Meunier à l'investigation, bon, David Ginola pour Incroyable Talent, je comprends plus, j'ai pas mis repère, je comprends plus rien. Parce que les animateurs tirent leurs émissions au sort. Ah, d'accord. C'est original, je savais pas. Apparemment, c'est pour ça que Mac Lesguy fait la tronche, parce qu'il va devoir présenter les reines du shopping à la rentrée. Oh, ben, je comprends, c'est pas son genre, le pauvre. Et ils auraient rappelé Charlie et Lulu pour présenter les JT. Oh, ça, c'est une bonne idée, parce que la formation avec Charlie et Lulu, ça va mettre du peps, quoi. Ça va envoyer, quoi. Ouais. Ah, bah, je veux dire, M6 a toujours su se réinventer. Ah, hein, bah, c'est leur force, hein, Catherine. Oui, c'est leur force. Oh, dis donc, un cosmonaute russe, un spationaute japonais et une astronaute américaine sont revenus sur Terre après 115 jours passés dans l'espace. Tu te rends compte? C'est une demi-année. Moi, je me fais chier, je meurs. Ah, j'ai entendu qu'ils avaient ramené un Français aussi qui aurait passé 5 ans sur la Lune. Non, j'ai pas marqué qu'il y avait un Français. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non. Ah, c'est excellent. Tu l'as fabriqué avec tes logiciels. Tu me la truques, tu me la passes, que je l'ai dans mon machin, tu me la transwordes.